Monsieur Djilali Soufiane, bonjour. Bonjour. Alors, après 46 jours d'absence, le président de la République s'adresse au peuple depuis son lieu de convalescence en Allemagne. Il rassure sur son état de santé. Il sera de retour dans 1 à 3 semaines. Le président rassure, il informe. C'est la carte de la transparence qui est aujourd'hui jouée. Monsieur Djilali Soufiane. Écoutez, je pense que l'apparition du président de la République a fait et fera l'événement ces jours-ci. Si on doit qualifier cette apparition, c'est un grand soulagement. D'abord pour l'homme qu'il est, bien entendu, il sort d'une lourde épreuve, difficile, et tout le monde sait combien le corona peut être agressif et difficile à surmonter. Et dangereux. Mais c'est aussi en même temps un soulagement pour l'Algérie, pour l'écrasante majorité des Algériens, y compris beaucoup d'Algériens qui peuvent ne pas être d'accord avec ce que fait le président de la République ou l'État en général, s'ils sont dans une position d'opposition. Mais je crois que la conscience des problèmes actuels, de la situation politique du pays, fait que tout le monde a besoin qu'un président de la République soit là, soit en fonction, et que surtout on finit de sortir du milieu du guet. Le président de la République avait engagé quand même une feuille de route extrêmement importante pour l'avenir du pays. Il y a eu un référendum sur une constitution, et puis d'un seul coup tout est resté suspendu alors que on devait s'acheminer rapidement vers le renouvellement des assemblées, l'Assemblée nationale, les assemblées locales, etc., pour finaliser ces premiers pas d'une Algérie renouvelée, d'une Algérie qui aurait définitivement coupé les ponts avec l'ancien régime. Donc on est resté en suspens, en attente. Je pense que maintenant, encore une fois, tout le monde est soulagé que ce processus reprenne cours le plus rapidement possible. Alors, si on venait à décrypter, M. Djilali Soufiane, l'intervention du président de la République, il l'a déclaré, affirmé, il suit de très près les affaires de l'État, il donne des orientations et directives, veille à assurer les conditions meilleures en cette période hivernale pour les zones d'ombre, et il a donné des instructions en ce sens au ministre de l'Intérieur. Mais ce qu'on relève aussi, parallèlement à cette déclaration du président de la République, c'est qu'il est aujourd'hui aussi dans le même agenda politique qu'il avait annoncé précédemment, à savoir aller vers des élections législatives anticipées, puisqu'il parle de la nécessité d'adopter actuellement la loi électorale. On est dans le même agenda? Absolument, nous sommes dans le même agenda, et ça c'est rassurant pour le pays, parce que les coups de barre à chaque fois où il y a des changements de calendrier importants, c'est très difficile et déstabilisant pour un État, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier la situation, peut-être on reviendra dessus, la situation internationale est extrêmement compliquée pour nous. Donc que l'on continue ces réformes-là, que le cap soit tracé, stabilisé, qu'on aille vers des élections où on verra un renouvellement très sérieux de la classe politique, où ce sera l'occasion, je l'espère en tout cas, l'occasion pour beaucoup de jeunes, beaucoup de cadres, l'élite qui s'impliquera, qui s'engagera. C'est ainsi qu'on pourra construire un nouveau régime politique, parce que, en fin de compte, c'est ça qui est en jeu. Est-ce que nous sommes en capacité de créer un régime politique fondé sur l'état de droit, sur la démocratie, sur les règles du jeu de la liberté, mais bien, bien assimilées, ou bien est-ce qu'on va être face à une forme de renouvellement d'un ancien système qui ne veut pas s'en aller? Donc, il faut maintenant que les énergies nouvelles s'impliquent, qu'elles s'engagent, qu'il y ait l'organisation, soit au sein des partis existants ou au sein de nouveaux partis. L'essentiel est que les Algériens maintenant sortent de la simple critique, sortent de la parole qui est nécessaire, mais qui en même temps reste insuffisante. Il faut passer aux actes, il faut devenir des acteurs politique, c'est ça qui est important. Donc, reprendre le cours des réformes est une nécessité maintenant.
Mais si on s'en tient un peu à cette déclaration, est-ce qu'on pourrait comprendre, puisqu'on est dans le même agenda, que c'est peut-être c'est la dissolution du Parlement pourrait intervenir tel qu'il l'avait déjà annoncé, avant qu'il ne tombe malade, avant la fin de l'année? Est-ce qu'on pourrait considérer qu'on est pratiquement dans le même agenda? Votre perception des choses aujourd'hui, M. Djilali Sofiane, en tant que politique? Oui, je pense que le président de la République, en arrivant à la tête de l'État, avait promis un référendum pour la Constitution, puis des élections avant la fin de l'année. Malheureusement, la Covid-19 a fait chambouler un petit peu tout le calendrier, donc avec un report et en plus avec cet épisode malheureux de la maladie. Mais je pense que le fait de dissoudre l'Assemblée et de convoquer le corps électoral avant le 31 décembre est un très bon signal, comme quoi le train est sur les mêmes rails et que la gare qui nous attend, c'est un changement profond dans les institutions et un départ pour la construction de quelque chose qui soit nouveau et qui réponde aux normes d'aujourd'hui, c'est-à-dire des élections transparentes, des élections libres, où il faut laisser s'exprimer une représentativité maintenant absolument nécessaire pour que les Algériens renouent un minimum de confiance avec l'État qui est le leur. Vous pensez que le temps, que ce sera le cas, que le temps presse aujourd'hui pour consacrer ces réformes qui vont bien sûr consacrer cette nouvelle Algérie fondée sur le respect du droit, des libertés publiques, en clair consacrer les principes démocratiques dans le contexte actuel, avec bien sûr les nouveaux rebondissements sur la scène géopolitique? Il est vrai que la situation semble de plus en plus compliquée autour de nous, qu'il y a des tensions, des crises en perspective, mais je crois plus que jamais c'est le moment de renforcer la conviction des Algériens que l'État algérien est en mesure de faire face. Il faut renouer cette confiance et cela ne peut passer que à travers d'abord un véritable dialogue qui doit être permanent d'ailleurs entre l'ensemble des acteurs politiques à l'intérieur des institutions renouvelées, mais aussi avec l'ensemble des responsables du pays, et puis surtout asseoir un début de démocratie où les Algériens vont se sentir représentés sérieusement et avec une défense de leur intérêt au niveau des institutions. Donc oui, il faut que l'État algérien soit fort, non pas par une force brutale, mais tout au contraire, grâce à un appui fondamentalement populaire pour les choix à venir. Alors, il y a des tensions autour de nous par rapport, bien sûr, au rebondissement dernier sur le plan géopolitique, bien sûr, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, et bien sûr, la tension au niveau de notre frontière sud-est avec, bien sûr, la Libye, et aussi au niveau de l'extrême sud du pays avec le Mali. Quand on parle de tensions autour de nous, est-ce qu'on peut considérer que dans le contexte actuel, on est fragilisé? Comment renforcer, conforter le front interne pour faire barrage à toutes éventualité de division, de discorde, de dissension au sein du peuple? Bon, le remède, on ne va pas inviter le fil à couper le beurre, hein. Le remède clairement est le dialogue, la mise en place de règles démocratiques, laisser les gens s'exprimer sur le plan politique. Il faut que chacun assume sa part de responsabilité. Il ne s'agit pas de mettre le feu à la maison. Je crois qu'il y a certains courants qui n'ont pas tout à fait conscience des véritables enjeux. Une démocratie, ça se construit. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas une forme de liberté débridée durant laquelle on se permet de faire tout et n'importe quoi sans avoir de limites par rapport à la raison, par rapport à la sécurité du pays. Mais ce dialogue-là est une nécessité. Il faut que les autorités du pays écoutent le peuple à travers ses revendications, à travers ses représentants, mais il faut qu'il ait des représentants qui soient réellement désignés par la population. Donc un véritable dialogue, aller à des élections le plus rapidement possible et dégager des institutions crédibles, représentatives, et ensuite avoir un gouvernement de compétences politiques, pas simplement de technocrates et encore moins de bureaucrates, parce que malheureusement j'ai l'impression
manque de gouvernement politique, on est passé subrepticement à des gouvernements technocratiques depuis un certain temps. Hein. Et puis du technocrate, on est passé au bureaucrate. Et ça, c'est une dérive qui n'est pas du tout dans l'intérêt du pays. Mais comment asseoir les fondements d'une véritable démocratie aujourd'hui, de véritables changements qu'attendent aujourd'hui et qu'espèrent tous les Algériens, promis déjà par le président de la République lors de sa campagne électorale, lors de sa prestation de serment et dans son programme actuellement présidentiel? Comment asseoir les fondements de cette véritable démocratie quand vous avez aussi parallèlement en face la défiance et le manque de confiance? Eh bien, la défiance, il faut la vaincre par la communication, par le dialogue. Malheureusement, l'un des points faibles du gouvernement actuellement, c'est qu'il ne semble pas être très porté sur la communication au sens large du terme. Le dialogue, c'est tout simplement s'écouter. Ça peut se faire de différentes façons et on n'est pas obligé de le faire selon des cérémoniaux classiques. Tout simplement, les responsables politiques qui sont en poste peuvent rencontrer à tout moment des responsables de partis politiques, des représentants, des personnalités reconnues, des représentants des syndicats, en tout cas tous ceux qui ont une représentation ou une représentativité dans la société. Et c'est par cet échange-là qu'il faut aller vers ce qui est l'outil fondamental et classique, ce sont les élections. Tout le monde est d'accord pour dire que le Hirak a été fabuleux, qu'il a démontré une très grande maturité pour le peuple algérien, que les Algériens sont maintenant en capacité d'être de vrais électeurs, de faire des choix, qu'il y a une société plurielle, multipartisane. Et bien, tout cela, il faut le mettre, il faut rentabiliser. Pourquoi maintenant vouloir éviter que le peuple choisisse? Il faut qu'on dialogue de manière à avoir toutes les garanties pour que le choix du peuple soit garanti. Il ne faut pas exiger des désignations et des nominations, c'est-à-dire c'est juste aller à contresens. D'un côté on dit le peuple est mature, et de l'autre, on dit, mais il faut lui désigner ses responsables. Là, il y a quelque chose qui cloche. Alors, il faut aller pour vous vers des élections. C'est la bataille électorale qui déterminera les véritables représentants du peuple. Mais parallèlement, vous avez ceux aujourd'hui qui appellent à une transition politique, qui reviennent encore une fois à la charge. Quel est votre commentaire? En réalité, moi personnellement, en tout cas, je ne comprends pas quel est le fond de cette revendication. Lorsqu'on dit une transition, nous sommes dans une phase historique pour le pays où il y a des transitions multiples. Nous sommes en transition politique dans le sens où on est passé d'un régime qui a duré 20 ans et qui a mené une politique qui a été contraire à nos intérêts en fin de compte. Donc on passe de ce régime-là à quelque chose qui doit être nouveau, qui n'est pas encore bien défini. Nous sommes dans une transition économique, puisqu'on passe d'une économie de bazar où il y avait une oligarchie qui s'était installée dans le pays et qui a opéré une prédation de très grande ampleur, et on doit passer à une économie de marché régulée par des instances qui soient normalisées, où par exemple, lorsqu'il y a une privatisation, elle passe par la bourse avec une ouverture à tous ceux qui veulent acheter des actions et non pas à des privatisations entre copains et coquins. Donc ça, c'est une transition économique. Nous sommes aussi dans une transition, j'allais dire sociologique et même anthropologique, on en a parlé précédemment. C'est-à-dire que les Algériens sont en train de s'ouvrir sur le monde, de comprendre ce qui se passe. Donc toutes ces transitions-là, on les vit. Mais maintenant, pourquoi voulez-vous que quelques-uns désignent des personnalités qui viendraient nous dicter ce qu'il y a lieu de faire? Pourquoi empêcher les Algériens de voter? Le monde entier fonctionne de cette façon-là. En tout cas, le monde moderne, il fonctionne sur la base des élections. Qu'on dise que les élections en Algérie n'étaient pas sérieuses, qu'elles étaient fraudées, tout cela, on est tous d'accord. Donc réclamons des élections qui soient vraies, qui soient transparentes. Mais arrêtons de vouloir désigner. Qui a cette légitimité pour désigner les autres?
qu'on dise aussi que les Algériens ont divorcé avec la politique, qu'ils n'aiment pas les partis politiques, qu'ils n'aiment pas l'action politique, ça on le sait, on le comprend, et c'est tout à fait acceptable vu les épreuves que nous avons traversées. Mais quel que soit X, les partis politiques restent incontournables et il faut construire une classe politique digne de ce nom. Il faut que cette classe politique assume son rôle. Ce n'est pas toujours facile parce que nous sommes dans une phase critique où il y a une crise de confiance évidente, mais c'est en dépassant cette crise de confiance par les actes, par l'engagement, que nous pourrons aller vers quelque chose de positif et non pas en revenant toujours en arrière, en remettant tout à plat sans jamais pouvoir rien construire. Alors, M. Djelaï Soufiane, moi je voudrais revenir avec vous sur les aspects que vous avez abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction pour bien sûr conforter et renforcer le front interne pour faire face à toute tentative de déstabilisation de l'Algérie. Pour le dialogue, il faut organiser une conférence nationale où tous les acteurs de la société, sans exception, participent. Sans exception et exclusion, participent pour régler nos problèmes entre nous au lieu de que d'autres viennent le faire à notre place, comme il a déclaré d'ailleurs le Premier ministre. L'Algérie, aujourd'hui, est visée par des tentatives de déstabilisation. Monsieur Djelaï Soufiane. Oui, le dialogue maintenant devient une nécessité. Je rappelle simplement que Dil Djadid s'était engagé sur cette voie depuis au moins juillet 2019 et je pense qu'on a payé très lourdement par une incompréhension d'une partie de l'opinion et probablement par beaucoup d'acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, des acteurs essentiels qui étaient absolument réfractaires à cette idée de dialogue commencent à mûrir. Nous avions vu ces derniers temps beaucoup de politiques, de partis politiques qui réclamaient maintenant ce dialogue inclusif. Je crois que c'est une très bonne chose. Il faut que tout le monde s'assoie autour de la même table. C'est normal, nous passons par une phase compliquée, difficile, de crise, et c'est le moment où il faut se parler justement. Quelles que soient les positions des uns et des autres, je crois qu'il faut montrer une certaine mansuétude. Le pouvoir est en situation de passer l'éponge sur un certain nombre de choses. Il y a forcément, il y avait des incompréhensions, mais il faut dépasser ça. Il faut que tout le monde, quelles que soient ses positions, même parfois qui ont été extrêmes, puissent s'exprimer et qu'on aille tous vers une solution convenable pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il est lieu de faire? Organiser une grande conférence nationale pour réunir tous les acteurs de la société, que ce soit des partis politiques ou représentants de la société civile, personnalités également, politiques. Oui. Par exemple, ça peut très bien se faire. Ça s'est fait dans le passé. Pour asseoir un projet de société. Non, je ne suis pas d'accord pour asseoir un projet de société, parce que là, c'est une façon de limiter ou d'éliminer les différents courants qui peuvent animer la société. Il peut y avoir 2, 3, 4 grands courants dans une société démocratique ouverte. Il faut s'entendre sur des règles du jeu. C'est ça qui est important. Il faut mettre en place des règles, comment se comporter dans l'alternance, comment aller vers des élections, comment respecter les choix des électeurs, peut-être discuter quel type d'institution démocratique on peut avoir, surtout au niveau local, comment encourager la démocratie locale, etc. Mais globalement, on va dire que le pays est dans une phase où il a besoin de stabilité, il a besoin que toutes les forces de politique s'impliquent et s'engagent à aller vers une pratique politique sécurisée, rassurante, ouverte et définitivement tournée vers l'avenir. Mais un dialogue inclusif, en impliquant toutes les parties concernées, sans exception. Sauf ceux qui s'excluent d'eux-mêmes, qui ne veulent pas discuter, ou alors, bien entendu, ceux qui ont des idées extrêmes, qui cherchent à aller beaucoup plus loin que ce que peut admettre la raison. Mais globalement, je pense que les partis politiques algériens, tous, toutes tendances confondues, sont dans une optique quand même de défense des intérêts du pays.
Alors l'Algérie est dans une phase nouvelle de son histoire par rapport aux revendications fortement exprimées par le peuple lors du mouvement populaire du 22 février 2019 où ils aspiraient à plus de liberté, plus de démocratie, plus de justice sociale, plus d'équité, moins de corruption et bien sûr changer tous les modèles de gouvernance. La constitution abonde dans ce sens, elle a été adoptée même si le taux bien sûr reste inférieur par rapport à ce qui avait été espéré préalablement, mais vous avez parallèlement ces critiques au niveau de certaines institutions internationales concernant la question des libertés et droits de l'homme par rapport à la résolution du Parlement européen. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette résolution aujourd'hui, Monsieur Djilali Soufiane? Bon, nous avions réagi en temps voulu par rapport à cette résolution du Parlement. Écoutez, il y a une partie qui peut être tout à fait compréhensible. Il y a des Algériens qui estiment être très limités dans leur mouvement, dans leur liberté d'expression, etc. À tort ou à raison, peu importe, ils peuvent très bien revendiquer plus de liberté. Le problème est que la résolution du Parlement a associé des revendications qui peuvent être censément acceptées avec des revendications et avec des instructions absolument inacceptables. Et ce qui est le plus étonnant, et vous le savez très bien, il n'y a pas de hasard en politique, c'est qu'il y a eu une succession de faits, tout comme un montage d'un scénario pour mettre en grande difficulté l'Algérie. Alors que des tensions sont évidentes dans la région. Il y a eu d'abord un démarrage ou un début de conflit au Sahara occidental entre le Polisario et les forces royales marocaines. Ensuite, il y a eu cette résolution du Parlement qui est venue à la suite d'une polémique qui a été à l'évidence amplifiée à l'extrême. Ensuite, vous avez cette négociation qui devait se tenir entre l'Union européenne et la partie algérienne qui a été menée par le ministère des Affaires étrangères. Donc ça a rentré très probablement dans une forme de pression sur l'Algérie, sans oublier cette période-là où de nombreux pays arabes ont commencé à normaliser leurs relations avec Israël. Donc à partir de ce moment-là, il est tout à fait compréhensible que l'Algérie subisse autant de pression politique. Donc il ne faut surtout pas céder à ce type de pression. Au contraire, il faut encore une fois renforcer la confiance et le dialogue en interne, renforcer les institutions démocratiques du pays et à commencer réellement à construire cet état de droit et cette démocratie que les Algériens attendent depuis maintenant bien trop longtemps. Alors, autre événement sur le plan géopolitique, la normalisation des relations entre l'entité sioniste et le Maroc. Le danger est à nos frontières. Oui, alors là, il faut peut-être clarifier un petit peu. C'est quoi ce danger, en fait, d'où il vient? Les Algériens, petit à petit, maintenant, ont une notion un petit peu pragmatique de la vie internationale. On voit bien que beaucoup de pays ont commencé à normaliser leurs relations avec Israël, pensant par là que cette normalisation allait leur apporter de la stabilité, peut-être même de la prospérité économique, parce que tout le monde sait qu'il y a des puissances financières, des lobbies importants dans le monde, essentiellement dans le monde occidental, qui verraient d'un très bon œil une ouverture vers Israël. Le problème est que il faut revenir aux fondamentaux. Israël n'est pas un pays comme les autres. Israël est le résultat d'une idéologie dont une dimension, j'allais dire mystique ou en tout cas messianique, est très importante. C'est-à-dire que c'est un pays qui s'est construit sur l'idée messianique du grand Israël qui doit dominer toute la région. Et donc il ne fera de cadeau à aucun pays arabe. Et tous les pays arabes qui ont, d'une manière ou d'une autre, normalisé leurs relations avec cet État, n'en tirent aucun bénéfice particulier. On voit bien quel est le jeu d'Israël, par exemple, par rapport à l'Égypte. L'Égypte qui a énormément donné à ce pays-là, depuis 1977, si mes souvenirs sont bons. Or, en retour, on a bien vu le rôle d'Israël par rapport au Soudan, par rapport à la zone
géostratégique de l'Égypte par rapport aux eaux du Nil, par rapport à l'intervention d'Israël en Éthiopie, etc. Donc au final, normaliser ses relations avec Israël, ce n'est pas gagner un ami, mais c'est au contraire offrir à une idéologie qui a pour intention de contrôler la région, en son nom et peut-être aussi au nom de l'Empire, généralement. Et donc l'Algérie ne peut pas et ne doit pas rentrer dans ce circuit-là. Alors, des questions des auditeurs, M. Djilali Soufiane, qui sont très nombreux ce matin. On vous parle pratiquement sur cette question. On vous dit aujourd'hui, nous sommes dans un contexte mondial qui a complètement changé, où on bafoue carrément les principes de droits de l'homme, qui sont devenus des principes à géométrie variable. On bafoue la légalité internationale pour des intérêts géopolitiques et stratégiques. C'est le cas actuellement, puisqu'on a vu que le Maroc, il a troqué, bien sûr, sa dignité contre sa reconnaissance sur... bien sûr, le territoire du Sahara occidental. Non, mais ça c'est, il est clair, sauf à penser qu'on vit dans un monde fictif où les grands idéaux gèrent le monde. En réalité, il y a un jeu de puissance, il y a une concurrence extrêmement violente entre les grands ensembles politiques qui se sont formés. Maintenant, où doit se placer l'Algérie? Tout notre problème est là. Vous avez des blocs qui se sont constitués, vous avez des enjeux économiques et stratégiques immenses, et il ne faut pas penser que l'Europe ou les États-Unis ou la Chine ou la Russie regardent l'Algérie en ami. Chacun a besoin de l'Algérie, à la faire entrer dans son sillage. Maintenant, que doit gagner l'Algérie par rapport aux uns ou aux autres? Comment allons-nous défendre nos intérêts? Nous vivons un monde où il y a peut-être une forme de démocratie dans certaines nations, mais entre les nations, il y a la loi de la jungle. Pendant longtemps, il y a eu des lois internationales, le droit international, une forme d'apaisement après la Deuxième Guerre mondiale, parce que là, tout le monde était en situation extrêmement difficile, dangereuse, etc. Mais une fois que les conflits se sont réouverts, que ça s'est exacerbé, on voit bien que les droits de l'homme, la vie humaine, etc. deviennent absolument secondaires. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans une forme de naïveté en Algérie où on croit que les promoteurs des droits de l'homme nous veulent du bien. Alors, autre question de l'auditeur, bien sûr, il rappelle au passage que Mohamed VI est le président du comité d'Al-Quds Sharif. Alors, je reviens avec vous sur cette question aussi de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, monsieur Djilali Soufiane, ne pensez-vous pas qu'on est en train d'attendre des résultats différents, refaisant encore et toujours la même chose, organiser des législatives, alors que nous venons de voir un des taux de participation les plus faibles de l'histoire de l'Algérie, avec bien sûr le référendum du mois de novembre dernier. Est-ce que il faudrait aujourd'hui une interprétation réelle de ce taux de participation? Est-il aussi judicieux d'aller vers des élections en ce moment précis? Je rappelle aux auditeurs que le taux était de 23,7%. Absolument, et j'ai eu à le commenter la soirée du 1er novembre en disant vous que... Vous étiez avec nous dans le studio. En disant qu'il y avait deux grandes leçons à tirer de ce référendum. La première leçon était que, bien entendu, il y avait un taux très faible et donc une grande majorité des Algériens ne croyaient pas en l'acte politique. Par contre, pour la première fois depuis très longtemps, nous avons un taux réel, un taux vrai. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a un taux autour de 20%. Tous les autres scrutins précédents relevaient à peu près du même taux. Par contre, le fait que ce soit dit clairement, c'était un pas positif. Maintenant, est-ce qu'on veut inventer un autre outil que la démocratie et le vote? Si c'était possible, moi je veux bien. Il faut convaincre les Algériens maintenant. Mais pour les convaincre, ce n'est pas avec les discours, c'est avec les actes. C'est d'abord avoir de vrais scrutins, sans fraude, et ensuite avoir une vraie représentativité. À ce moment-là, petit à petit, les Algériens reviendront à la politique. Mais de dire que les Algériens sont en défiance par rapport au vote, et donc on va annuler le vote, je pense que c'est tomber à l'inverse de ce qu'on recherche. C'est-à-dire
Comme les Algériens ne veulent pas assumer la démocratie telle qu'elle leur est présentée, alors on annule la démocratie. C'est ça qui est paradoxal. Mais quand vous dites ramener les Algériens, qu'ils reviennent vers la politique, mais ils ont toujours exercé de la politique, mais sur les réseaux sociaux, de façon virtuelle, mais pas réelle. Comment les faire venir du virtuel vers le réel? Eh bien, il faut arrêter de casser, de briser toutes les tentatives d'organisation. Il y a des partis politiques qui ont subi énormément de pression depuis des années. Et aller faire une critique aussi constructive. Bien sûr, il faut que les Algériens apprennent pas aussi. Pas le dénigrement et l'insulte aussi. C'est ça, parce que l'action politique, ce n'est pas une position à un moment donné, et ce n'est pas ce qu'on a dit, faire du Che Guevarisme. L'action politique se fait dans le temps. Il faut la construire. Il faut que les Algériens rentrent dans cette mentalité et cette logique où on arrive à un résultat après un travail, après un labeur qui peut durer des années. Rien ne vient spontanément. Et ça, c'est un apprentissage. C'est pour ça qu'on dit que la démocratie est une culture. La démocratie, ça s'apprend avec le temps, ça ne vient pas par décret. Alors, rapidement, sur les questions également des auditeurs, ne croyez-vous pas que le signal fort est de mettre en place des compétences pour surmonter aujourd'hui tous ces défis économiques et politiques que nous connaissons, Monsieur Djelel Issoufiane? Oui, il faut absolument des compétences. L'Algérie en regorge. Malheureusement, les cerveaux fuient l'Algérie. Il y a énormément d'Algériens qui font le bonheur des grandes entreprises, des grands hôpitaux, etc., qui sont à l'étranger. Il faut les ramener, mais là, il faut une volonté politique. Pour qu'il y ait cette volonté politique, il faut qu'il y ait une légitimité de commandement par un gouvernement qui soit adoubé par une majorité élue représentative du peuple. C'est un processus qu'on ne peut pas éviter. Alors, vous parlez de dialogue et de respect des règles de jeu politique, mais quelles garanties avez-vous de la part des décideurs pour garantir justement la crédibilité de tous ces aspects que vous soulevez aujourd'hui, Monsieur Djelel Issoufiane? Depuis le 22 février, il y a un changement fondamental dans l'état d'esprit des Algériens. Autant Rien ne sera plus pareil. Absolument. Autant ils étaient marginalisés, ne s'intéressaient par la politique, autant aujourd'hui, ils scrutent tous les gestes, tous les faits, tous les actes des uns et des autres. En plus, les Algériens n'accepteront plus jamais qu'on leur invente comme ça, ex nihilo, un parti politique, soi-disant né avec des moustaches et qu'on va leur mettre sur la tête. Donc, il faut que les Algériens s'impliquent. Tout simplement, le jour où vous allez avoir des partis politiques qui seront présents dans les cités, dans les quartiers, dans les communes, à ce moment-là, il n'est plus possible de trafiquer. Donc, soit on est en mission ou en soumission. Si on regarde de loin et on critique sur les réseaux, rien ne bougera. Mais si on s'implique localement, à commencer par une association au niveau du quartier, une association au niveau de la commune, s'impliquer dans un parti politique, fabriquer ou construire un parti politique, c'est cela qui donnera de la vie à une vie politique saine. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, Madame Souhil El Hachmi, il faut bannir de notre réflexion la transition qui est un prétexte de s'accaparer du pouvoir par une tranche de personnes qui n'ont aucune assise politique. Merci de poser la question du contexte régional qui nous oblige à se rassembler, à nous rassembler et oublier nos querelles pour maintenir l'Algérie et l'Algérie avant tout. Oui, d'autant plus qu'il y a une situation d'urgence maintenant autour de nous. Et ceux qui pensent transition, comme si qu'ils avaient le temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, à papoter, à discuter de tout et de rien. Ce n'est pas pour rabaisser le sens d'un débat. Mais voyons, lorsqu'on ouvre les grands dossiers, à ce moment-là, on ne va pas s'en sortir aussi facilement. Ensuite, cette idée de constituante qui revient de manière rédhibitoire, est-ce que quelque part elle a donné une vraie solution? Voyons ce qui se passe chez nos voisins, par exemple. Ils ont fait une constituante, mais ils ont abouti à la mise en place d'un État qui est devenu stérile, incapable de résoudre les problèmes. Vous parlez de la Tunisie. De la Tunisie. Lorsque vous avez un président de la République qui est démuni de prérogatives, vous avez un parlement qui est complètement atomisé, vous avez un gouvernement qui est autonome du reste, et donc vous n'avez plus de gestion de la société. La démocratie doit être un outil pour faire mieux fonctionner un État, et non pas pour devenir un obstacle au fonctionnement de l'État. Et c'est là où il y a un contresens. Et moi, dans le monde, je ne vois pas de constituante qui ait réellement réussi à mettre en place un véritable État fonctionnel et en même temps démocratique. Donc, ce que nous avons là aujourd'hui,
Il faut l'améliorer, accumuler maintenant l'expérience et améliorer. Arrêtons de remettre tout à zéro parce qu'à ce moment-là, on ne s'en sortira pas avec des débats qui n'en finiront pas. Mais donc, vous avez certains qui revendiquent aujourd'hui la mise en place d'un haut conseil de sages. Oui, pour ramener à ce qu'on a vécu déjà avec le HCE durant les années 90. Oui. Et ce haut conseil des sages serait désigné par qui? Comment? Est-ce qu'on le fait élire au niveau de la rue? Comment? Est-ce que c'est imaginable? Les gens ont des fois un idéal, mais ils ne donnent pas le processus comment arriver à cet idéal. Oui, bien sûr, dans l'absolu, ça serait extraordinaire d'avoir des sages, mais élisons ces sages. On va élire un sage à la tête de l'État. Tout simplement. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit « Aujourd'hui, la politique, c'est les partis politiques, c'est pas la société civile. La société civile doit être un instrument d'accompagnement. » Quel est votre commentaire? La société civile est là pour être un contre-pouvoir, apporter des critiques, puis former des citoyens, agir dans la société. La politique en tant que telle doit être exercée par les partis politiques. Et ce n'est pas une question d'organisme ou d'avoir un agrément. Un parti politique, c'est un filtre, normalement, qui est construit de manière à faire émerger des personnalités capables de gérer des situations compliquées. Un homme politique, ça se fabrique de manière, j'allais dire, scientifique. Ce n'est pas, ça ne tombe pas comme la pluie. Est-ce que les gens, est-ce qu'ils peuvent confier leur corps à n'importe qui? Non, ils vont voir un médecin et le médecin, il a une formation très longue. Comment est-ce qu'on peut confier le pays à des gens qui n'ont aucune expérience? Donc les partis politiques sont absolument nécessaires, simplement il faut les renforcer, il faut les construire, il faut les aider et non pas les détruire systématiquement. Alors, autre question de l'auditeur rapidement, M. Djelali Sofiane, on doit tous balayer, apprendre à balayer devant nos portes pour changer un nouveau paysage, tout Algérien, chacun à son niveau doit s'impliquer dans, bien sûr, cette nouvelle Algérie, on doit nous unir et mettre fin à, à nos désaccords. Oui. Le contexte actuel l'oblige. Placer l'Algérie au-dessus de toute considération. Absolument, un pays uni et indivisible. Parce qu'il est évident qu'il y a des forces contraires qui agissent et interagissent sur l'Algérie. Avec des complicités de certaines ONG aussi. Bien sûr. L'Algérie n'est pas une île. On n'est pas dans un long fleuve qui coule tranquillement. Au contraire, nous entrons dans une phase extrêmement houleuse. Il y a une reconfiguration géopolitique qui est en train de se dérouler. Il faut que l'Algérie se place dans une perspective d'avenir. Mais aux Émirats Arabes Unis, une conférence sera organisée au mois de mai 2021. On parle de la transition politique en Algérie. Ça prouve que on fait partie d'un agenda international, même si, bien sûr, on sera assez... Écoutez, pendant très très longtemps, les pouvoirs successifs en Algérie ont beaucoup parlé de la main étrangère. C'est la raison pour laquelle les Algériens ne croient pas en ce monde. Absolument, mais tout comme la main invisible d'Adam Smith dans l'économie, il y a une main visible maintenant de l'étranger, tout simplement parce que c'est un monde d'intérêt, c'est un monde matériel, et l'Algérie, soit elle devient souveraine et maîtresse de son avenir, soit elle succombera aux désidérata des autres. Monsieur Djelali Sofiane, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, et que Dieu préserve l'Algérie. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Je vous en prie.